Alors juste petite dédicace à Légende Kevan, et donc du coup, petite dédicace à... Ou Kevan, on sait pas. Et petite dédicace à Le Casquem MK, petite dédicace à... Alors petit dédié au clan Phoenix, voilà, donc minimum de trophées requis 2000, et hashtag 28 YLOLU, donc ça c'est identifiant du clan, donc du coup, petit dédié au Phoenix. Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne, bien entendu. Bon, bah comme d'habitude, hein, on va commencer par les coffres en argent, mon petit, les coffres en argent. Alors, coffre en argent, attention, 54 d'or, les gars, on commence, mais tellement... Là, on va être riche. Bon, je me moque un peu, c'est pas vrai, on va pas être riche, hein. Mais malgré tout, on va être riche, on est des fous, on est comme ça. Alors, un trio de mousquetaires, ça fait plaisir. 9 bombardiers, oui, pourquoi pas, oui. D'accord, ah c'est tout, ah toi t'es comme ça, toi genre, hop là, en mode, et bam, hop là, tu t'arrêtes d'un coup comme ça, hop là. Ah je te jure, mais enfin, en tout cas, 9 bombardiers, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir, c'est tranquillou. Alors du coup, sinon, il y a quoi d'autre? 51 d'or, c'est déjà pas mal, une fournaise. Ouais, ça va, et 9 mortiers, là, par contre, le mortier, j'aime pas trop, franchement, j'ai... Non, franchement, la fournaise, ça va, tu vois, en niveau bâtiment défensif. Mais alors, le mortier, mon gars, voilà, oh là là. Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, 50 d'or, et mais... Alors toi, franchement, t'as pas compris le délire. C'est plus on ouvre, et plus il doit y avoir de choses, hein. C'est pas plus on ouvre et moins on adore, hein. Sinon c'est complètement grand. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attention. Ouais, une pierre tombale, pourquoi pas, ouais. D'ailleurs, la pierre tombale, le 30, là, 30 novembre. Aujourd'hui, on est le 29, je crois. Je sais plus. Enfin, on s'en fout, mais le 30 novembre. Ouais, je crois qu'on est 29. Le 30 novembre, et eh ben, elle va être réduite. Au lieu de spawner toutes les 2,4 secondes, je crois, elle va spawner tous les 2,8 secondes et tout. Enfin, le squelette, quoi. Oui, donc du coup, on s'en fout. 9 chevaliers, bah, ça va, c'est la base, hein, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, j'utilise pas trop en ce moment, quoi. Donc 77 d'or, ça fait plaise. Toi, c'est déjà mieux, là, tu vois, 77 d'or, tu vois, c'est la balle, quoi. Et un géant, les gars, un géant. Tiens, franchement, c'est une bonne troupe, le géant. C'est limite une troupe que tu finiras toujours par revenir dessus un jour ou l'autre avec une compo assez délirante ou quoi que ce soit. Il sera toujours utile, toujours. Donc 9 chevaliers, bah disons que les chevaliers, ils sont là pour nous servir. Hein. Donc, alors, 76 d'or, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Une Valkyrie, voilà, là tu me fais plaisir quand tu me mets une Valkyrie, mon gars. Mais j'en veux plus que ça, j'en veux plus souvent aussi. J'en ai pas assez des Valkyries, j'en ai pas assez. 9 Tesla, bon, ça, ouais, c'est pas non plus, hein, bon, ouais, non, Tesla, c'est pas non plus, ouais, non, c'était pas un homme de lumière, hein. Bon, alors, du coup, 167 d'or, 177 d'or, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, presque à 6000 d'or, hein, presque à 6000, hein. 7 bombardiers d'élite, ouais, ça va, c'est classe. Alors, 9 canons, non, pas trop envie les canons, hein, c'est pas... C'est pas mal, hein, mais encore une fois, c'est un bâtiment défensif, hein, c'est pas... Géant royal, bah alors là, non, franchement, non. Alors, 3 cabanes de gobelins. Ouais, les cabanes de gobelins, c'est pas... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, mais c'est pas... Bon, c'est pas grave. Oh, on n'a pas notre Valkyrie, enfin si, on a eu un petit peu, on n'a pas notre méga gargouille. Bon, c'est pas très grave. 508 d'or, les gars, ça c'est énorme, ça c'est bon, ça. Quand j'ai autant, là, c'est... t'as fait plaisir. Alors, 508 d'or, 2 gemmes, ouais. 2 canons, ouais, tu commences petit, hein. 17 barbares d'élite, ça sent le rare et l'épique, hein. Ah, vas-y, wesh. Je m'attendais une épique, là. Si tu mets pas une épique, mon gars, 39 bombardiers, n'empêche, hein. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Si tu mets pas une épique. Tu vois, s'il n'y a pas d'épique, là. Et eh bah ben, c'est toi qui va être plein d'épiques. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et en plus tu mets un golem de glace, mon gars, mais... J'en peux plus de Clash Royale, j'en peux plus, mon gars. Et c'est un truc de fou. À chaque fois, j'ouvre des coffres, 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 j'ouvre des coffres. Wow. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on n'avance pas. Regardez, depuis, ça fait un ou deux mois que je suis au même stat. La seule chose qui avance, c'est ça, la méga gargouille. Et vous savez pourquoi ça avance? Parce que je suis un...
Je sais même pas comment on peut dire ça. C'est quelqu'un qui demande beaucoup. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, tu vois. Et donc, du coup, du coup, je demande beaucoup. Et du coup, j'ai des méga gargouilles. Mais c'est juste pour ça que j'en ai. Sinon, ça avance pas. Ça patine, ça patine, ça patine, ça poutine, ça poutine. Et voilà! Ah, oh, petit jeu de mots au passage. Oui, donc du coup, il y a aussi la méga gargouille qui, le 30 novembre, enfin, je crois que c'est novembre, ou c'est. Oui, on est en novembre, oui. Donc, 30 novembre, elle va passer de 1,3 à 1,4 secondes, au niveau de la vitesse de frappe. Voilà, et elle va descendre de 6% de dégâts. Bon, c'est pas énorme, hein. Mais c'est quand même. Tu vois, c'est. Ça fait voilà, bon, enfin bon, voilà, c'est embêtant, c'est embêtant. Bon, en attendant, on n'a pas eu. Ouais, si, on a une Valkyrie. On va pas se le cacher, c'est déjà pas mal. On a une Valkyrie, mais c'est pas suffisant, tu vois. Dans tous les coffres qu'on ouvre, il faudrait qu'il y ait. Mais bon, il y a tellement de troupes aussi. Oh, mais attends, il y a combien il y a? Là, pour l'instant, j'ai 58 troupes que je peux avoir. Après, t'enlèves 2-3 légendaires. Bon, voilà quoi. T'attends 10 jours quoi, mais c'est trop long, 10 jours quoi le machin. T'enlèves 2-3 légendaires que j'ai, donc Sorcier de Glace et compagnie là. Bon voilà, t'enlèves celle-là aussi. Bon, au final il reste, je sais pas, un peu plus d'une cinquantaine de cartes que tu peux avoir. Enfin même t'enlèves les épiques un peu, on va dire il y a un peu moins d'une cinquantaine de cartes que tu peux choper comme ça dans ton coffre. Donc t'imagines tout ce qu'il y a, c'est. Non mais moi c'est. Je sais pas comment on peut faire, comment on peut assumer de faire un jeu comme ça aussi horrible que ça, c'est. Enfin bon, arrêtons les conneries, après on va dire, ouais, mais tu parles pas de trop, tu parles pas de trop. Tais-toi, mon gars, tais-toi! Ok, c'est bon, je me tais! On va se faire deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne d'ailleurs qui est pas disponible. C'est pas grave, la magie du montage, vous verrez, il sera disponible juste après les attaques. Et donc du coup, moi je vous dis, je vous dis à tout de suite, c'est ça, hein? Bah oui, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, deux petites secondes. Alors, juste, petite dédicace à Francis Labert. Petite dédicace. Et petite dédicace à Titan Royal. Petite dédicace. Allez, c'est parti. On est contre Wawa Boudoua YK. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, alors, petit sourire, petite bonne chance. Donc là, j'ai pas grand chose. Bah, c'est pas très grave. Pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il pleure comme ça? T'as vu dès le début déjà, c'est lui qui est en faute, là. Hein. Parce que j'ai un petit sorcier de glace et lui, il a mis les. Oh, ça par contre, c'est pas drôle ça. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il pleurait. Étant donné que le cimetière, ça fait très très mal si tu l'utilises bien et que t'as de la chance, ça fait très très mal. Ouais, il suffit que tu défendes mal. Mais alors là, mon gars, mais alors là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cimetière est très 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 technique. Donc, si tu le mets au mauvais endroit, je peux te dire que tu vas en subir les conséquences. Hein. Ah, mais c'est un truc de fou. Hein. Si tu le mets au mauvais. T'as cru que tes petits squelettes, ils allaient faire quelque chose là? Mais t'as touché la tour du milieu, tu te rends compte de ça ou pas? Ils peuvent rien faire maintenant tes squelettes, c'est pas tes petits squelettes. Mais attends, ils sont bombardés par tous les côtés du coup, donc Non mais il est fou lui. Il a vraiment cru que ça allait servir à quelque chose. Regarde, je vais faire ça là. Hop là. Oui, donc suivant où tu les mets. Suivant où tu mets tes. Suivant où tu mets ton cimetière, il va pas faire le même dégât sur la tour. Ouais, franchement, ils vont pas spawner au même endroit. Et du coup, ça va pas forcément être bénéfique, tu vois, ils vont se faire tuer petit à petit. Donc c'est. J'ai vu franchement plusieurs. Une personne comme ça qui avait fait plusieurs. Attendez, attendez. Voilà. Ok, hein. Voilà. Hein? Bon. On évite un petit peu de trop se faire défendre. Hein. Oui, donc la personne avait testé sur le même endroit. Avait testé justement plusieurs techniques. Enfin, plusieurs endroits, justement. Enfin, comment te dire? Attends, attends, attends. Avait testé plusieurs. Vas-y, commence pas à m'embêter là. Vas-y, c'est bon, tu m'as compris quoi. Il avait testé plusieurs fois le cimetière pour voir où ça spawnait, comment ça faisait et tout ça, suivant là où on le mettait, tout le bordel. Et puis voilà. Et puis oh, ouais, wow, hein, bon. Allez, c'est parti, on envoie tout ça. Vous allez voir qu'on va se faire, plaisir. C'est moi qui vous le dis. Regardez, regardez, regardez. Oh là 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 là. Mais il aurait pas dû toucher la tour du milieu. Je sais même pas comment il a fait pour la toucher la tour du milieu, mais il aurait pas dû, il aurait pas dû. Ça l'a complètement. Ah, c'est peut-être avec le squelette. Peut-être avec les squelettes qu'il a touché autour du milieu, tout ça, et du coup ça a tout défoncé. Bah peut-être, peut-être. Qui sait, hein, comme on dit qui sait. Oh là là. Bon alors toi t'es un bon toi, hein. T'as fait reculer mes troupes et tout, du coup je vais pouvoir en avoir et tout pour. Enfin je peux les garder en vie pour. Oh là, mais toi t'es trop fort toi en fait, hein. Mais regarde-moi ça, à chaque fois il me fait garder mes troupes, ça me fait spawner encore plus de troupes, du coup il va se faire défoncer petit à petit. Ah c'est bon ça, tu vois. Ah ça c'est une erreur à pas faire ça, hein. Regardez-moi ça, y a plus rien à faire. Non moi je fais plus rien. Non, je fais plus rien.
Vas-y, je fais plus rien, j'ai dit là. Vas-y, c'est quoi, ça m'en saoule. Non, c'est bon, non, ça m'en saoule. Non, c'est bon, ça m'en saoule. Ah, quoique, il y a peut-être plus rien à faire. Hein. Enfin, quoique si, une petite tornade, tranquillou, mais sinon. Eh ben non, ça a détruit en zone chrono, malheureusement. C'est pas très grave. Voilà, du coup, on va envoyer du sorcier de glace. Et là, mon gars, sa tour, elle est finie là. Hein. Ah, mais là, mais même pas, il cherche à comprendre. Même pas, il se dit, allez, il y a peut-être un petit espoir, tout ça. Mais non, c'est mort, mon gars, c'est mort. Ah, c'est bon, ça. Alors, du coup, on va envoyer ça. Il y a que ça à faire. Hein. Et on va prendre des flèches, parce qu'on sait très bien qu'il va envoyer sa petite horde de gargouilles là. Ouais, t'envoies ta petite horde de gargouille. Non, tu veux pas l'envoyer ta horde de gargouille, hein. Tu veux pas l'envoyer, hein. T'as pas envie de l'envoyer, hein. C'est quoi, je l'envoie quand même, je suis un fou, moi. Je suis comme ça, moi. J'envoie les flèches quand même. Non, ça servait à rien, c'est pas grave, il est mort de toute façon. Il est chaotique, maman, le petit. Ah, et franchement, là, on commence, mais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Wawa Bou. Boudouac. Boudouac Y. Mais c'est compliqué ton truc à dire aussi, là. Vas-y, non, c'est bon, ça m'a énervé, moi. Bon, en attendant, on a un petit coffre couronne, c'est pas mal. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Allez, c'est parti, on est contre le roi, le king, mon gars, le king, le 9, le niveau 9, mon petit. Allez, hop, petit molosse de lave, petit sourire, petite bonne chance. Allez, c'est parti, mon petit, c'est parti, on va tout faire en péter. Qu'est-ce que t'as avec ta sorcière, là? Tu t'es dit, tiens, j'ai une petite sorcière, je vais pouvoir le défoncer. Mais t'as cru quoi, mon petit? T'as cru quoi, mon petit? Non, mais je kiffe. Non, mais c'est bon. C'est parce que l'autre, là, ici, il m'a saoulé, là. Tout à l'heure, le mec. Enfin, tout à l'heure. Juste avant, là, et tout, là. Tranquillou, tu sais, genre en mode tranquille, comme d'hab, et tout, là. Le mec, je l'explose. Une tour. La tour du milieu, genre bien comme il faut, et tout ça. Tu sais, au fur et à mesure, et tout, hein. Et puis là, comme ça, au dernier moment, je me dis, bon. Bon, allez, il va être sympa, il va nous laisser la tour du milieu, tout ça. Du coup, j'envoie, parce qu'il restait plus beaucoup de temps, tu vois. Du coup, j'envoie. Lui, il avait pris aucune tour, hein, J'envoie, je sais plus comment ça s'appelle là. Attends, je vais te le dire. J'envoie, oui, la méga gargouille et la horde de gargouille. Histoire de pouvoir faire un minimum de taf, tu vois. Pouvoir faire un minimum de taf. Oui, pour essayer de détruire la tour, quoi, assez rapidement comme ça. Je me suis dit, bon, allez, il va être sympa, il sait qu'il va perdre, il va pas envoyer les flèches. Et puis, bah, ce mec, vas-y, il envoie les flèches. Ok, d'accord. Du coup, bah, moi, je lui laisse la tour tranquille comme ça. Mais le mec, il s'est pas contenté de prendre la tour. Hein. Le mec, il a déjà, d'ailleurs, son zappy est pas mort. On se demande comment. Enfin, bon, je sais pas comment c'était possible. Il restait genre vraiment, genre 0,01% point de vie. C'était un truc de malade. Et donc, du coup, voilà. Et puis, le gars, il renvoie un autre zappy et tout ça. Et puis, vas-y, il met masse de troupes sur la tour, tranquillou. Il n'a même pas le temps de défendre. Hop là. Non, mais c'est comme ça qu'il me remercie, le mec. Je lui laisse une tour tranquillou. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, c'est comme ça qu'il me remercie, quoi. Et bah, tu sais quoi, direct, moi, hein, je me dis, oh, vas-y, commence pas à me saouler. C'est bon. Non, c'est bon. Donc, tu vois, là, même pas je lui laisse une tour ou quoi que ce soit. Qu'il aille se faire battre. Non, désolé de la vulgarité, mais il y a un moment. C'est bon, les gens, quand tu leur laisses une tour et que derrière ils te défoncent. Bon, après, tu vas me dire, ouais, mais toi, quand on te laisse une tour, tu fais la même chose. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai le droit, moi, c'est différent. C'est le mec, moi, j'ai le droit, c'est différent, hein. Oui, bon, voilà, je sais que c'est impossible de pouvoir laisser. Mais bon, c'est bon, quoi, j'ai le droit de m'énerver aussi, hein. Bon, vas-y, c'est quoi, ça m'a saoulé. Allez, c'est parti, on envoie le Mozab. Et là, je suis en train de le. T'es en train de le défoncer, mon gars. Vas-y, on envoie tout ça là. On envoie. Mais pourquoi la méga gagouille? Oh, là, je suis ici. La méga gagouille, elle arrive ici. Non, mais tu comprends un petit peu ou pas? Comment ça se fait que j'arrive à le submerger comme ça? C'est chaud quand même, hein. Tu peux me laisser la tour, non? Enfin, oui, c'est ce qu'il est en train de faire, mais il n'y a pas. Ou quoi que? Non, que dalle. Dommage. Bah oui, heureusement. Ah, bah oui, je sais que c'est drôle. Enfin bon, ouais, de toute façon, je suis bête. Moi, j'ai même pas besoin de couronne, étant donné qu'il est pas encore débloqué le. Ça tourne plus rond là-bas dedans. Le coffre à couronne, il est pas encore débloqué, donc forcément, c'est compliqué. Oui, donc du coup, bah, je vais pas pouvoir vous dire tout de suite pour le coffre à couronne. Enfin, si, je vais vous dire ça, mais il va falloir que j'attende un petit peu. Donc, bah du coup, bah moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne, hein, mais allez, c'est bon, je cherche pas à comprendre. Moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne, c'est parti. Bon, j'ai mis un peu de temps avant d'ouvrir le coffre à couronne, mais c'est pas très grave. Alors juste, on va pas ouvrir le coffre en or, hein. Le coffre en or, je le garde, ok, c'est le mien, tu vois, c'est privé, tu vois. Non, c'est le mien, hein, c'est comme ça, hein. Mais je veux bien ouvrir le coffre en argent à la limite. Allez, alors, 62 d'or.
Un trio de mousquetaires. Et 9 gobelins à lance. Bah, ça va. C'était pas dégueu. Ouais, je répète tout. Tu vois, c'est comme ça. Donc, 77 d'or. C'est pas mal. Un mini PK. Ouais, pas mal. Et 9 barbares d'élite. Mais pourquoi pas. Non, mais c'est déjà bien. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va ouvrir le fameux coffre à couronne. Attention, le suspense. Ah, la souris, elle monte petit à petit. Ah, là, hop, hop, oh, on ouvre le coffre à couronne. Attention, 463 d'or, c'est la base. C'est l'excellence. 3 gemmes. Ouais, ça fait plaisir. 360, les gars. Putain, j'ai passé. Bon, c'est pas grave. 10 chevaliers, ça fait plaisir. 14 barbares d'élite, attention. 30 drag, 30 cution. Et cabane de gobelins. Bon, oui, non, mais tu sais, il y a un moment... Là, si tu veux, je te fais un chèque, hein. Non, mais c'est quand tu veux, je te fais un chèque de 10 euros et tu me passes les cartes que je veux. Non, ça fonctionne pas comme ça. Bon, c'est... Non, il faut donner 1000 euros. 10 000 euros. Ah, t'es... Non, dégage. Oh, non, il n'y a pas de... Ouais, il y a un autre coffre à couronne, tu pourrais l'ouvrir. Non. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps, je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Bon, attends, j'aurais pu l'ouvrir, hein, si j'aurais eu le temps de ça, mais j'ai pas le temps, laisse tomber, il y a trop de choses à faire. Oui, donc, du coup... Et ben voilà. Non, c'est pas mal, hein. Non, mais en fait, j'avais rien à dire. Je sais pas. Je cherche pas à comprendre. Ouais, donc on a pas eu grand chose, hein. On a eu quelques petits trucs, quelques petites choses comme ça. Mais on n'a pas eu grand chose. Donc, du coup, voilà. Tornade, franchement, Tornade, de plus en plus. Ah, de plus en plus, je l'aime pas mal, hein. On va pas se cacher. Tornade est. Hein? Elle est pas dégueu, donc c'est vrai que... Bon, je sais pas, on va peut-être la garder un petit peu, quand même, un petit peu plus longtemps que prévu. Mais ça, après, hein, qu'est-ce que tu dis, c'est comme ça. Et puis, ouais, j'aurais bien voulu ce qu'il y a là-dedans, là. Enfin, bon, c'est pas très grave. Moi, je vais devoir vous laisser sur ce, hein, voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire... Mais comment vous dire? Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas. Ouais, c'était cool.